Salut, salut, bonjour. Voici que Johnny Pacheco ou l'immoral, la morale va encore faire sortir une vidéo. Et moi, j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, comportement du mouton, réaction du berger. Si le mouton de Johnny Pacheco se comporte mal, moi étant le berger, le guide spirituel et le guide de Johnny Pacheco, je suis obligé de le mettre en enclos. Maintenant, lorsque je vois qu'il est en train de persécuter les autres moutons et qu'il montre qu'il est atteint, il a atteint l'âge d'être vendu, alors je ne peux qu'attendre le jour et la fête de la Tabaski pour le livrer aux musulmans pour qu'ils puissent en faire une soupe. Oui, Johnny Pacheco, tu es bon pour la soupe du mouton. Oui. J'ai toujours dit dans mes vidéos que il n'est pas doté d'intelligence pour pouvoir décortiquer, discerner les dires du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un esprit. Si tu arrives à démontrer, Johnny Pacheco, écoute très bien, si tu arrives à démontrer que toi, Johnny Pacheco, tu n'as pas besoin de l'air pour vivre, tu pourras déconstruire le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo est la personne mieux qui peut nous montrer le droit chemin à suivre en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un icône, sans oublier Charles Blé Goudé, le ministre. Ce sont des icônes de la politique ivoirienne. On ne peut pas s'en défaire d'eux, on ne peut pas se détourner d'eux, on ne peut pas les écarter de la scène politique. Ils sont incontournables. C'est les garnichats du football ivoirien. Tu ne peux pas parler de la politique ivoirienne sans passer par Laurent Gbagbo, sans passer par Charles Blé Goudé. Ils ont marqué leur époque, ils ont marqué leur histoire, ils ont marqué leur temps. Alors, Johnny Pacheco, pour ta gouverne, si la France, la CPI, passait par Alassane Dramane Ouattara et ces réseaux mafieux, sans oublier Afin Guessant, qui est devenu l'allié, n'ont pas pu déconstruire ces deux personnalités, ces deux icônes. Ce n'est pas toi, gendarme minable, que tu es, que tu seras et que tu serais, pourra déconstruire le président Laurent Gbagbo. Tu sais, lorsque tu fais tes vidéos, je ne sais pas si tu arrives à comprendre ou bien à entendre ce que tu es en train de dire. Parce que tu fais de ce qu'on appelle en politique et ce que John Jay l'a toujours bien dit dans ses vidéos, du coq à l'âne. Oui, tu fais trop de coq à l'âne dans tes vidéos. Je ne sais pas si tu arrives à récapituler ou bien à reconstituer ou bien à réfléchir avant de parler. Tu sais, Johnny, quand tu es trop avide et aride d'argent, pour finir, tu te noies dans une bassine d'eau. Sachant que tu es une grande personne et que la bassine d'eau, tu ne peux pas plonger là-dedans pour te noyer, mais tu arrives néanmoins à te noyer là-dedans, ça peut te faire comprendre que tu n'es rien. Toi-même, tu es en train de te déconstruire. Moi, je préfère mieux qu'une personne s'affiche, affiche ses ambitions politiques, affiche son appartenance politique, que de rester derrière certains dits et danser. Toi seul, tu es un tambouriste, en même temps un danseur. Mais sache pour ta gouverne, on ne peut pas en même temps taper le tam-tam et être exécuteur de ses danses à la fois. Johnny Pacheco, tu es trop petit pour déconstruire le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Des rires variés qui sont là en train de détruire nos populations, en train de détruire nos frères, nos parents, nos amis. Tu n'en parles pas. Ça ne te dit rien. Tu te dis panafricain. Tu laisses certaines choses qui sont en train de te faire. C'est le président Laurent Gbagbo que tu cherches à déconstruire. Non, tu n'as rien compris de la politique.
Un certain Français du nom de Didier roule dans un taxi Woro Woro. Un chauffeur de taxi Woro Woro. Un Français de Soussure. Un chauffeur de taxi communal aux deux plateaux. Cela ne t'inquiète pas pour les élections 2020. La France a fait venir des services secrets qui sont actuellement implantés en Côte d'Ivoire pour neutraliser et détruire tous ces hommes politiques qui vont vouloir s'imposer et s'opposer à ce régime qu'ils vont installer en 2020. Cela ne t'inquiète pas. C'est le président Laurent Gbagbo que tu cherches à déconstruire. Quand on veut déconstruire une personne, c'est qu'on en a construit. Depuis quand toi tu as construit Laurent Gbagbo, tu cherches à le déconstruire. Depuis quand tu as construit Laurent Gbagbo, tu cherches à le déconstruire. Nous, on en a construit Alassane Dramane Ouattara. On peut le déconstruire parce que nous, aujourd'hui, on a fait connaître Alassane Dramane Ouattara. Quand je dis nous, le président Félix Houphouët-Boigny a fait venir Alassane Dramane Ouattara sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Donc, on peut le déconstruire. Mais tu n'as jamais fait venir le président Laurent Gbagbo en politique. Donc, tu ne peux pas le déconstruire. Moi, comme ça, je suis un corps, un Gbagbo ou rien. Je ne peux pas m'attarder pour dire que je vais déconstruire le président Henri Kona Bédié parce que je ne l'ai pas fait venir en politique. Alassane, moi je peux le déconstruire parce que c'est mon feu président Félix Houphouët-Boigny qui l'a fait rentrer en scène politique. Et là, moi j'étais vivant, j'étais là, j'ai suivi et je sais de quoi je parle. Donc je peux le déconstruire. Parce que je l'ai vu rentrer en scène politique. Et c'est devant moi qu'il est rentré en scène politique. Mais une personne que tu n'as pas vu rentrer en scène politique, tu n'as pas vu faire la politique et tu veux le déconstruire. Il faut chercher ces personnes que tu as de ta promotion pour les déconstruire. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo ni le ministre Charles Bleu Goudé, des icônes de la politique ivoirienne, qui va chercher à pouvoir les déconstruire. Tu es trop petit. Des bonnes choses sont en train de se faire en Côte d'Ivoire. Que nous devons crier notre ras-le-bol. Nous devons crier haut et fort que nous avons marre de ça. Mais c'est toi toujours qui es sur les réseaux sociaux en train de pavaner, piailler, crier, dire du n'importe quoi, des anéries, des imbécilités. Et tu penses que tu raisonnes. Je te dis que tu es trop petit. Trop petit. D'après les enfants, tu es trop petit cacaba pour pouvoir déconstruire le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Bleu Goudé. Ces personnalités-là, quand elles marchent, ils laissent leurs traces. C'est-à-dire pour pouvoir comprendre ce que le président Laurent Gbagbo dit et le ministre Charles Bleu Goudé dit, il faut écouter 36 fois 36 cette chose-là avant de comprendre ce qu'ils disent. Parce que je comprends maintenant que tu n'es pas une personne intelligible. Oui. Tu agis instinctivement. Tu es comme un chien. Pas le chien, il ne réfléchit pas. Il agit selon ses instincts. Et tu es comme le chien. Tu as eu la chance de rentrer à la gendarmerie. Au lieu d'être... Il y a des gendarmes, même, il y a des gens même plus intellectuels que toi à la gendarmerie. Et qui sont calmes. Qui sont responsables. Et qui réfléchissent avant de parler. Mais toi, tu es là. Oui, quand j'étais à la gendarmerie, qui t'a arraché même, qui t'a dit de ne pas être gendarme, et puis tu as parlé beaucoup, beaucoup. J'ai dit, les Johnny Pacheco, là, vous étiez plein à la gendarmerie, là, en 2002, le pouvoir du président Laurent Gbagbo allait tomber. Mais comme ils n'étaient pas assez, et qu'on a pu vous localiser, et certains d'entre vous, comme toi, Johnny Pacheco, tu es en train de faire sortir ta grosse tête, et tu es en train de parler maintenant, là. On voit maintenant ce que tu es en train de dire. Mais calme-toi. Tu es en train de nager, on voit ton dos. Faut te calmer, tu es trop petit. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a un certain Didier qui se fait passer pour chauffeur en train de donner tout ce qui est renseignement à la France et pour pouvoir boucler les élections en 2020. Vous voyez ça, vous ne criez pas, vous ne parlez pas. C'est déconseiller le président Laurent Gbagbo qui t'importe. N'importe quoi. Ok, c'était ma toute petite vidéo pour que les gens puissent comprendre qu'il y a un certain Français du nom de Didier, qui s'est fait passer pour chauffeur de taxi, mais en fait qui est un réseau mafieux de la France pour imposer en 2020 un nouveau régime aux Ivoiriens. Donc, frères et sœurs africains, chers Ivoiriens, chers panafricains, faisons très attention à nos dires
et marquons des pauses lorsque nous sommes vraiment dans ces endroits qui sont un peu publics pour ne pas dévoiler tout le secret, tous nos dits et comment nous allons venir au pouvoir en 2020 par les urnes. C'était ma petite vidéo. On garde le contact. Je vous aime.